aura suffi d'un plan et de quelques notes pour que tout bascule. Nous sommes en 1983 et la chanson « Sweet Dreams » fait entrer le groupe Eurythmics dans la légende de la culture pop. C'est une déflagration. Le monde occidental n'en revient pas de découvrir les synthés de Dave Stewart et la voix troublante d'Annie Lennox. Sa présence, un peu inquiétante, magnétise chaque plan du clip. Ces deux-là s'apprêtent à nous offrir le meilleur des années 80. Annie Lennox there. A good morning to you. Good morning. Thank you for joining us on Breakfast Time. Are you surprised by the success of Eurythmics? Yes, very pleasantly. Why are you surprised? Did you never have confidence that you could do it? I wasn't really thinking about it, to be honest with you. I was really concerning myself, and Dave, we were concerning ourselves, with making good music. And we were working. So, in a sense, when the success came, the chart success came, it was like a Christmas present.